On est dimanche et le dimanche on se retrouve et en vrai je suis content. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui nous refaisons un tuto comme à l'ancienne. Un vrai tuto où on part d'un terrarium complètement vide et à la fin on aura un décor cool qu'on aura fait ensemble. Aujourd'hui les amis nous allons parler d'une espèce très populaire. On ne la présente plus, elle est déjà ultra connue sur la planète et pourtant t'as encore des trucs à apprendre. Et aujourd'hui on va parler des Corellophus ciliatus. Corello quoi ? Corellophus ciliatus. Eh, on n'a pas dit qu'on faisait un tuto Azotus obesus. On n'a pas dit ça, on a dit un tuto Racodactylus. Malheureusement, mon chien, c'est pas pour toi. Allez, file. Ok les amis, aujourd'hui on va parler de cette petite merveille, ce petit bijou, ce petit gecko qui à la base est originaire de Nouvelle-Calédonie mais qui est disponible né en captivité à peu près partout dans toutes les animaleries de reptiles. C'est un animal qui est très populaire et c'est un animal qui est relativement facile à élever. Aujourd'hui on va se faire un petit tuto complet sur l'élevage de cette bestiole. C'est une merveille, regardez, j'ai pas besoin de décrire beaucoup, c'est vraiment très très joli. Il existe des tonnes de couleurs, c'est pas vraiment génétique. Depuis peu il y a quelques lignées génétiques mais la plupart en fait sont juste polymorphiques et en fait ces animaux ils ont vraiment des superbes couleurs, ils sont vraiment très très beaux. Avant de te lancer dans l'élevage de cette bestiole, eh ben, il va falloir que tu te renseignes au maximum et tu vas pouvoir suivre un peu mon tuto mais aussi aller chercher plein d'infos sur internet, croiser des données. Je pourrais en parler des heures mais on va déjà commencer, on va faire le bac. Donc lui bah, comme d'hab on va le mettre dans une petite boîte en attendant que son bac il soit fait. Regardez comme il est mignon. Qu'est-ce que c'est que ce terrarium? C'est un exotera, ça aurait pu être un zoomètre, ça aurait pu être un bac en verre collé. En tout cas ça sera un bac qui sera adapté au tropical humide. Donc on oublie le bois ou alors faut qu'il soit vraiment multi-vernis et franchement c'est moche. Donc partez soit sur du verre, soit sur du plastique, soit sur quelque chose, mais en tout cas un bac qui va être grand pour cette espèce. Pour un spécimen adulte je conseille au minimum, mais vraiment au minimum 45-45-60. Et là pour le tuto qu'on va faire aujourd'hui on va partir sur un bac de 60-45-60. Donc tu vois on va aménager de façon à ce que ton lézard il ait quand même de la place pour se balader comme Koba. Et en plus, de façon à ce que ce soit joli à l'œil, c'est important. Peu importe la marque du terrain que tu vas choisir, dans tous les cas, il va falloir prendre un bac qui a un modèle qui est ventilé, très ventilé. On est sur du tropical humide, on veut des cycles d'humidité, on veut une ventilation, une vaporisation, et hop, que ça puisse sécher dans les heures qui suivent. Donc, on tape sur un bac bien ventilé, peu importe la marque que tu prends. Ce bac, on va l'éclairer, forcément, parce qu'on va cultiver des plantes à l'intérieur, vu qu'on fait du tropical humide et que nous, on n'aime pas le plastique. Non, on n'aime pas le plastique. On n'aime pas le plastique. Le mec n'en fait pas trop du tout, tu vois. Donc on va mettre des plantes naturelles. Ces plantes naturelles, pour qu'elles puissent se développer, elles ont besoin de lumière. Donc il va leur falloir une bonne patate lumineuse. Sauf que on ne va pas avoir de chauffage. Ce lézard, il n'aime pas les températures hautes. Il a besoin d'une température quand même assez, on va dire qu'il est entre 23 et 26. Il va être bien dans cette plage de température. Donc pour obtenir 23-26 dans un terrarium chez toi, normalement, des économies d'énergie, ça devrait suffire. C'est-à-dire que ce sont des ampoules qui vont avoir une consommation de... Celle-là, c'est des 26 watts. J'en ai deux qui ont un spectre qui va être adapté aux plantes. Ces deux-là, c'est des Natural Light. Et au milieu, j'ai mis une ampoule, elle, qui va être des UV. Donc, qui va me balancer des UV. J'ai pris assez fort. Parce qu'en fait, ça a beau être un gecko nocturne, il faut des UV. Je ne néglige pas ça. Vraiment, on fait pas l'impasse. On a besoin d'UV si on élève des racos. On fait pas les radins. On a besoin d'UV. Alors ouais, je vais dire de temps en temps raco, parce qu'en fait, c'est Corellophus, son nom scientifique, mais l'ancien nom c'est Racodactylus. Et à l'époque où j'en ai élevé des tonnes, c'était des Racodactylus. Donc je suis parti sur un modèle d'UVB à 150 qui sont censés être des UV pour le désert. Donc tu vas me dire ouais, mais c'est beaucoup trop fort pour un Racodactylus qui est un animal qui vit dans la jungle. Bah déjà, quand tu vis dans la jungle et que tu t'exposes, bah tu prends des UV quand même. Hein. Moi qui vais assez régulièrement dans la jungle, je peux te dire que ça tape sévère au moindre soleil. Mais c'est surtout qu'en fait, la lampe, elle est avant le grillage. Et le grillage, il filtre déjà 50% des UV. Donc on lui met une économie d'énergie avec des UV. On la changera régulièrement et on prend des UV assez haut. Parce qu'il y a la grille qui bloque. Et là, ton lézard, il va pouvoir se venir se caler ici contre la vide. Bim, et récupérer ses UV. Et il va être très bien. Et tu verras qu'il ira. On est bon. Donc pour le matos, simple. Un terrarium, une rampe d'éclairage bien adaptée, 75 watts de lumière à l'intérieur qui vont pouvoir me donner une température ambiante de 25, ce qui va être parfait pour mon lézard. Maintenant, il nous reste quoi ? À aménager le terrarium. Et c'est parti les amis. Comme c'est une bête arboricole qui vit dans les arbres, forcément on va privilégier la hauteur, donc minimum 60 de haut ton bac. Hein. Et on va lui faire un décor qui va lui favoriser ses déplacements en hauteur à travers des branches et des plantes. Mais avant tout ça, il faut poser du substrat. Le substrat. Alors, on va se faire un truc, un mix
bénéfice de plein de choses. Là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a préparé comme recette, Quentin ? On a un substrat qui est un mélange de trois choses différentes. De l'humus de coco, donc ça vous connaissez sous forme de briques. Il y a du forest floor qui est ça là, les petites particules, hop, clac. Et j'ai rajouté du substrat Arcadia, du Earth Mix, qui est du substrat qui est très chargé en nutriments et minéraux, qui va être adapté aux plantes, parce qu'on va quand même planter des plantes. Tiens, il me reste un peu de bois ici, on va l'utiliser. Hop. Donc on va commencer par mettre le substrat. On aurait pu faire un drainage, on aurait pu mettre des billes d'argile et tout, mais là je vais pas en mettre. J'ai de l'expérience, j'arrose pas trop, j'arrose ce qu'il faut pour que mes plantes soient heureuses, se développent et tout. Mais c'est pas une grenouille, ton lézard, de toute façon tu vas pas le détremper tous les jours, tu vas lui faire une petite vapeau et des vapeaux au pied des plantes. Donc t'es pas obligé de mettre un drainage. Donc là on va mettre le substrat direct, tu vois. Clac, clac. Et on va en mettre une bonne dose. Hop là. Donc on en met une bonne dose, hop, et on va déjà, il y a un truc qu'on va pas faire, on va pas tout aplatir et faire un truc tout plat. Si tu as envie que ce soit joli, si tu veux que ça ressemble à quelque chose de naturel, et bah tu vas faire comme la nature, tu vas donner du volume. Donc déjà on va repousser une grosse partie du substrat dans le fond là, tu vois, clac, ça va nous faire une petite butte. Ça nous permet en plus de dégager la vision de devant, tu vois, avec la vitre là au sol, donc c'est joli. Voilà, on va se faire une grosse colline ici, clac, on va tasser un petit peu, mais pas trop. Et donc là, on se retrouve déjà avec un sol, tu vois, on a une espèce de relief, c'est déjà assez naturel. Ok, maintenant, on va placer quelques petites racines. Alors ça, c'est uniquement esthétique, comme ce qu'on pourrait trouver dans la nature, dans une forêt de Nouvelle-Calédonie, des bouts de bois au sol. On va choisir les plus jolies facettes, voilà, des bouts de bois, genre celui-là, clac, il va me tenir un peu ma colline en plus, hop. Et on va commencer à lui aménager un truc pour la déco. J'ai récupéré ça, ça doit vous rappeler une vidéo, hein, si tu vois d'où vient cette branche, mets-le moi en commentaire. Voilà, ça on va lui placer quelque part dans le bac, attends, voilà, tiens, comme ça, trop bien, voilà, parfait. Donc on va continuer à mettre les branches, petite pause, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, tu n'as qu'à cliquer sur abonner, boum, c'est gratuit et tu reçois une petite notification quand je sors une vidéo, ça nous encourage, tu nous mets des petits pouces bleus, on est content, on est là tous les dimanches, on continue, c'était la petite minute autopub. Donc une fois que j'ai commencé à placer ça, ça je vais m'en servir, tu vois c'est stable ça, ça bouge pas, mon gecko il aura beau jumper dessus, ça va pas bouger. On va lui faire un accrobranche en fait au gecko, regarde. On va prendre la branche la plus robuste qui est celle-là, on va essayer de lui trouver une place cool en la calant quelque part. Là ça bouge pas, là ça bouge, là ça bouge pas, tu vois, là c'est stable, ça bouge pas. On va voir ce qu'on peut faire à partir de là. Ah voilà, regarde, ça on va pouvoir la caler avec ça là-dedans. Je commence à lui, il va avoir de la place, sachant que ton gecko en fait, au niveau de ses pattes, il a des micro-poils qui lui permet en fait de s'accrocher sur n'importe quelle surface. Et en fait, toute la vide va être une surface d'exploration. On n'est pas sur un pogona qui peut pas monter sur les vitres. On est sur une bestiole qui va pouvoir se développer partout. Donc les branches au milieu, ça lui permet d'explorer au milieu. Mais en plus, toutes les parois verticales de ton bac sont aussi des surfaces d'exploration. Donc plus tu lui donnes de la place, plus il va s'éclater. Tu feras attention parce que ça, ces portes-là, parfois ça peut coincer la queue de ton gecko. C'est-à-dire que quand ton gecko il va squatter à la verticale, parce que souvent il squatte à la verticale. Quand tu ouvres et tu fermes la porte, si la queue est passée là, clac, ça peut être un drame. Donc il faut faire très attention à ça. On regarde où il est avant d'ouvrir et surtout on regarde où il est avant de fermer. Sachant que la queue de ces geckos, elle saute très facilement. Dans la nature, ils n'ont plus de queue. À chaque fois que des scientifiques en voient et tout, ils n'ont jamais de queue. Et en captivité, souvent, ils perdent leur queue à cause d'une manip trop forte ou que tu les as attrapés par la queue ou quoi que ce soit. Donc on y va vraiment très doux. S'il perd sa queue, c'est pas très grave. Il va très bien s'équilibrer, se reproduire et tout. T'inquiète pas, il ira très bien sans. Mais on fait attention, tu vois. Donc ce serait dommage de lui faire sauter la queue. J'ai acheté en jardinerie deux espèces de philodendron et un pothos scandens. Ce sont des plantes qui sont bien adaptées, qui vont se suffire de la lumière qui va y avoir dans ce bac, qui vont être jolies. J'ai pris trois variétés différentes pour pouvoir occuper un peu trois niches différentes du bac. Ça, c'est un truc qui va être un peu plus terrestre. Donc en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le dépote, tu vois. Quand on le dépote, on se rend compte qu'il y a une grosse racine comme ça. On va venir le planter en surface, regarde. Je vais venir l'enfoncer, on va dire, la moitié de la motte seulement, hop, dans la terre, dans le fond là. Je le tourne pour trouver le truc, la forme la plus jolie. Hop, clac, je reprends un peu de substrat, mais je veux pas l'enfoncer tout au fond si tu veux, je veux pas aller le mettre sur la vide du bac, je veux que l'eau puisse quand même s'écouler à travers les racines. Et là, on a notre premier philodendron qui est installé. Ça, c'est une plante, le racco, ton lézard, il va pas trop évoluer dessus, c'est pas la folie, c'est juste pour prendre un peu de volume et que ce soit joli. Là, le pothos, c'est un truc qui est très connu en terrario et en jardinage, hein, tu vois, c'est une plante qui est vraiment très facile à multiplier, bouturer et tout. Là, j'ai plein de petites boutures qui ont été agglomérées et qui maintenant me font une plante, mais tu vois, c'est plein de tiges, regarde, si je tire sur une seule, là, je peux en sortir une, je pense, et c'est plein de boutures. Je vais venir caler ma motte. Où est-ce que je vais la caler, ma motte? Peut-être ici, là, tu vois, dans ma petite colline de substrat que j'ai fait tout à l'heure. Et il me reste, alors, une super variété. Ça, j'adore. C'est très joli. On l'a acheté en jardinerie. En fait, elle était avec un tuteur dans un pot et on l'a complètement désossé, entre guillemets. C'est compliqué, si tu veux, de mettre des plantes qui ont des énormes feuilles dans un terrarium. C'est pas très joli.
Donc du coup ça c'est un Monstera, c'est le bon compromis. C'est un Monstera, un philodendron, mais avec des petites feuilles et tu vas voir c'est super joli et le look, le rendu est canon. Donc une plante qui est épiphyte, qui va développer des racines ici pour pouvoir s'accrocher contre quelque chose, donc on va lui en donner l'opportunité. Une plante qui va coloniser à peu près tout le bac et où ton gecko va pouvoir évoluer sur les feuilles, se cacher derrière, enfin parfaitement adapté pour ce genre de terrarium. La première, alors attends, on va choisir laquelle. On va prendre la grosse, ou ouais, genre celle-là, c'est bien. On va venir donc placer les racines contre le substrat, forcément, tu vois, on va les enfouir un peu sous mon bloc de bois, là. Lui, en fait, cette partie-là, donc j'ai ma bouture ici avec mes racines, je vais venir la mettre là contre ma branche, tu vois, en épiphyte. Et en fait, les racines, je vais les mettre de la sphaigne. Je l'utilise pour planter mes plantes, c'est de la sphaigne en mousse. Et en fait, regarde, comme ma branche, elle a des trous, et ben en fait, je vais venir chercher un espèce d'endroit où je vais pouvoir plaquer les racines de ma plante et combler les trous avec de la sphaigne. Alors, je viens de mettre mes plantes, je vais pouvoir les redresser un peu. Forcément, il va falloir quelques jours pour que les feuilles se réorientent vers la lumière. On est sur un bon début. On va pouvoir lui rajouter peut-être des petites cachettes, genre ça, vous voyez, c'est un petit bout de liège. Hop, à la con, si je le mets ici, mon lézard, il va pouvoir venir se cacher la journée contre la paroi et il est bien, il est à l'ombre. T'as vu, j'ai mis un fond dans l'exotera, c'était du vénilia à la con, ça. Du vénilia que tu l'achètes, t'achètes ça chez Casto et en fait, c'est comme un papier adhésif et ça te fait un fond noir, tu vois, ou blanc, ou toutes les couleurs que tu veux. Je trouve ça plus joli. Je vais l'accrocher au grillage avec un petit serflex comme ça. On va l'accrocher à peu près au milieu ici. Voilà, on va servir de la barre. Donc on va percer deux petits trous de ce côté-là. Hop. Bon bah on commence à avoir un bon petit Euro Disney pour Corellophus là. Maintenant qu'on a planté le bac, que je vous ai parlé de la lumière, de la technique. Bon, la lumière on va la laisser allumer après 10 heures par jour, ce sera bien. Il va falloir faire des vapeaux tous les jours sur ces lézards. Donc on va prendre, pour ça tu t'équipes d'un petit ou d'un gros vaporisateur. Je sais pas où est le mien, je le cherche. Ah, merci Quentin. Hop, donc je fais une bonne grosse vapeau, hein, vraiment je vais en profiter pour arroser les plantes carrément, tu vois, au pied de chaque plante que j'ai plantée, la sphène que j'ai mis, je vais bien humidifier. Et tous les soirs en fait je ferai une vapeau pour mon gecko avant qu'il aille évoluer la nuit. Je lui ferai une petite vaporisation, alors un peu moins abondante que celle-là. Mais le but si tu veux c'est de pas avoir son substrat détrempé, humide mais pas détrempé, et surtout que toute cette vapeau elle sèche pendant la nuit. Donc le lendemain matin, si ton bac il est encore trempé quelques heures après l'allumage, c'est que tu vaporises trop. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Ce gecko, il n'est pas uniquement insectivore, il mange aussi beaucoup de fruits. Donc toi, en captivité, tu vas lui donner des compotes, par exemple, des petits pots pour bébé, ce genre de choses. Tu peux aussi acheter des aliments tout prêts, qui sont en fait des espèces de bouillies que tu prépares chez toi, comme du repashi, c'est hyper populaire. Et en fait, tous ces types d'aliments, tu vas à peu près lui donner, je sais pas, 3 fois par semaine de la bouillie, 3-4 fois par semaine de la bouillie, puis 2-3 fois par semaine des insectes, tu vois, tu varies. Et pour donner la bouillie, regarde, on peut trouver en fait maintenant des petites plateformes qui sont très pratiques. Hop, je vais appuyer là, clac, après ça bouge plus. Je viens fixer ma plateforme. Et en fait, là-dedans, je vais pouvoir lui déposer sa petite compote, ou son petit pot, ou son repashi, enfin, ce que tu as décidé de lui donner en complément. Hop, voilà. Et ça va permettre à ton gecko de venir s'alimenter comme ça facilement. Et avec des petits trucs en plastique, c'est propre, tu vois, la bouillie, il faut la changer régulièrement, vraiment tous les jours, hein, les petits pots pour bébé, pareil, ça pourrit très vite. Donc tous les jours, tu nettoies bien et hop, tu lui changes. Et quelques fois par semaine, tu lui lâches des insectes. Alors les insectes, il faut qu'ils soient adaptés à sa taille. Si tu pars avec un Corellophus juvénile, et ben en fait, tu prends l'espacement de sa tête, tu le regardes par le dessus, tu regardes l'espacement entre ses deux yeux et ça te fait à peu près la taille du grillon qu'il faut lui donner. Donc un adulte comme celui pour lequel on a fait le bac aujourd'hui, on lui donnerait, je sais pas, peut-être... Allez, à chaque fois, je lui donnerais 4-5 grillons qui se baladeraient dans le bac. Il irait chasser et tout. Alors, laisse-le chasser, hein. T'es pas obligé de lui donner un petit pot. Tu vois, ton lézard, il va chasser, il va se balader et tout. Donc, tu le laisses chasser. Et je lui mettrais 2-3 fois par semaine de la bouillie. Une bonne vapeau tous les jours et on est bon. Quand ils sont tout petits, tu vois, quand tu vas acheter ton premier Corellophus, il risque d'être encore plus petit que ça, tu vois. Ça va vraiment être un petit bébé.
Donc lui, tu peux lui installer un petit bac, t'es pas obligé de lui... Oh, attends... Donc quand ils sont tout petits comme ça, tu vois, t'es pas obligé de leur installer un très grand bac comme ça, tu peux les commencer dans des plus petits bacs, mais il faut exactement le même équipement. Moi, je te dirais de faire attention au début si tu décides de les nourrir avec de la nourriture comme du repachi. Bon déjà, moi je te conseille toujours de rajouter des insectes, il y en a qui vont te dire oui, ça peut suffire et tout. Je veux dire, ça doit pouvoir suffire, mais en vrai, ton lézard, il aime bien chasser, il kiffe bien ça, les racos. Et fais attention, parce que quand ils sont tout petits, ils peuvent devenir vite accros à ce genre de préparation comme le repachi. Et après, en fait, ils veulent plus du tout chasser d'insectes. Et ça, c'est un peu emmerdant aussi, quoi. Et Quentin, il rajoutait un truc intéressant tout à l'heure, c'est que quand ils sont bébés, et il a raison, on a du mal à voir la quantité de compote qui diminue. Donc on peut flipper en disant « Ah là là, mais ils mangent pas, ils mangent pas, ils mangent pas », mais en fait, ils mangent. Et en fait, les bébés, ils sont assez timides, donc n'hésite pas, en plus, de leur lâcher des petits insectes, tu vois, adaptés à leur taille. Ce que je te disais, lui, tu prends l'écartement entre les deux yeux, là, et t'as à peu près la taille du grillon qu'il lui faudrait, c'est-à-dire des grillons adultes. On va le relâcher dans son bac, on va le relâcher, on va voir comment il va évoluer, si ça lui plaît. Bon, c'est une bestiole nocturne, donc normalement, il va vite aller se cacher. Allez là, ça fait deux fois que Nature at Home débarque, il attend en fait, t'attends qu'on tourne, ouais. T'attends qu'on tourne. Je t'ai ramené des plantes, pourtant pas lui derrière. Ah mais trop bien, il nous a ramené de la plante, il nous a mis bien. Tu penses quoi du bac? Il est top, nickel. Franchement c'est cool hein, ouais, je kiffe ça hein. C'est quoi, c'est un hybride ça? Il l'appelle Monstera Oblica, c'est pas un Monstera Oblica, okay. C'est un Adansonii. Adansonii, ok. Adansonii. Ah donc c'est un Monstera Adansonii, ok. Ah. Et ben voilà, mais quelle expertise. Bon, on va finir notre tuto quand même, hein. On va finir notre tuto. Tu me vois là le manipuler, facile, tu vois, ça fait des petits jumps. Oh, il jette, alors c'est pas un chat, hein. Il estime pas la distance en mode il jump parfait. Le raco il part et il voit où il arrive, hein. Tu vois, si t'en as, tu verras, il part dans des jumps. Donc on fait attention quand même, même si c'est une espèce arboricole, quand tu le manipules, tu te mets un peu au-dessus d'une table, tu le manipules pas trop, genre une fois de temps en temps si tu veux, pour faire un soin, pour le sortir, pour changer un truc, mais c'est pas un animal qu'on va manipuler tous les jours en mode hamster, hein, pas du tout, hein. Donc on fait vraiment attention à ça, on fait attention à sa queue, on le respecte et on prévoit du budget. Lui-même, le lézard, il va te coûter minimum 40-50 euros sur un salon, dans un magasin, un bébé, tu vois, mais ça peut monter à des centaines d'euros pour des couleurs un peu spéciales. On sait que nos vidéos, elles vous donnent grave envie d'acheter des bestioles et tout, mais attention aux achats coup de cœur, les amis. Réfléchissez bien, vous engagez pour un long moment. Donc même si ça vous fait hyper envie et que vous voyez ça hyper facilement et tout dans la vidéo, c'est un acte réfléchi, c'est l'adoption d'un animal. Et en plus, aujourd'hui, les Corellophus, tu dois les identifier comme un chien. Ils sont assujettis à une nouvelle loi, ils ont une petite puce électronique qui doit être implantée dans la cuisse. Donc quand tu achètes ce genre d'animaux, maintenant ils sont tracés. Donc c'est totalement légal, il n'y a aucun souci. Mais ils sont tracés et tu dois te déclarer comme si tu avais un chien. Voilà. Ça se reproduit bien, mais pour ça il faut avoir un couple, tu les élèves séparément et tu les mets ensemble que pendant la période de repro. C'est très prolifique, ça fait beaucoup de jeunes, donc attention, parce que déjà maintenant qu'il faut les identifier, si tu sors beaucoup de jeunes, bah, il va falloir mettre une puce électronique à chacun et ça va te coûter un petit billet. Et en plus, quand les femelles font beaucoup de jeunes, elles perdent beaucoup de calcium, donc il faut bien supplémenter en calcium. D'où l'intérêt d'avoir des UV, surtout si tu les reproduis. Il peut se passer des trucs bizarres des fois, genre mon raco va s'enterrer dans le sol, je sais pas pourquoi. Bah peut-être que ton bac est un peu trop sec, tu vois, si c'était un peu plus humide, il irait pas chercher l'humidité qu'il y a dans le sol. Ou peut-être que t'as pas assez de cachette et qu'en fait il flippe et il va chercher la seule cachette qui était dans le sol. Ou peut-être qu'il a été élevé chez un éleveur où il était dans une petite boîte en plastique comme en batterie. Donc il y a plein de raisons, ne panique pas, cherche des solutions. En attendant, j'espère que ce tuto il t'a fait plaisir, ça faisait longtemps que vous l'attendez, il est complet, j'ai beaucoup parlé, je vous ai donné beaucoup d'infos, mais il y a pas mal de trucs à savoir sur cette espèce et je veux que vous fassiez au mieux. Je veux que vous alliez chercher un max d'infos derrière, que vous croisiez les infos et que vous arrêtiez pas juste à une vidéo de 15 minutes pour partir dans l'élevage d'une espèce. On se retrouve dès dimanche prochain. Merci à tous pour le rendez-vous. Je suis hyper content des chiffres du vlog de la semaine dernière. C'était notre premier vrai vlog et ça a trop bien marché. Donc avec Quentin, on était trop contents. Vrai Quentin ? Vrai. Donc merci beaucoup. On se retrouve dès dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Si elle t'a plu, partage-la, like-la, abonne-toi, c'est gratos. Je te remercie énormément. Je vous remercie énormément de ce qui se passe en ce moment. C'est un gros kiff. On se retrouve dès dimanche prochain. Salut les amis. Ciao ! Mais en fait... On a fini le tournage, le mec peut pas s'empêcher de végétaliser, il rajoute des plantes partout quoi. Tu te sens mal quand c'est pas vert ou pas? Bah là il y avait un trou là, vraiment...